monde pour le savoir. Aujourd'hui, on va voir comment créer un compte sans une identité en Apple gratuite, sans carte fichier. Il y a plusieurs recherches qui montrent comment on peut faire ça. C'est très simple. Après ça, ne pas oublier de s'abonner sur notre chaîne et activer toutes les notifications. Pour cette opération, on a besoin de créer une adresse email, même si j'ai mail, Hotmail pour live. Moi, j'ai déjà créé sur Gmail un identifiant ou une adresse email pour la validation. Et aussi, on a besoin d'installer iTunes. Je vous laisse le lien de télécharger dans la description de la vidéo pour le télécharger. Après le téléchargement, l'iTunes et l'installation, nous devons trouver l'application iTunes. On vient ici dans le compte, on est cliqué ici et on cherche ce qu'on a fait, savoir ce qu'on a fait, on est cliqué ici dans cette Windows. Ici, il nous donne le choix de l'identifiant déjà créé et un mot de passe. Nous, on vient de créer un identifiant Apple. On est cliqué ici, c'est créer un identifiant Apple. On attend un petit peu. Et voilà. Moi, j'ai déjà choisi le pays Canada parce que le Maroc est disponible. Dans le pays original de l'iTunes, j'ai déjà choisi le pays Canada. Ici, il me demande la correcte premier, le mot de passe, le mot de passe. En allant sur la boîte Gmail, ici, on vient de copier cette adresse. Un mot de passe, la première lettre en majuscule si vous voulez, on valide ici le mot de passe, j'ai déjà choisi le pays Canada, si votre pays est disponible, de choisir votre pays. Ensuite, on clique ici dans cette barre en cliquant sur continuer, vous acceptez les modalités des services multimédia Apple. Clique ici. Souvent, on clique sur continuer ici. Dans cette window, il y a les renseignements personnels. Ici, la date de naissance, choisir quelle date de naissance, ici, il y a les questions de sécurité, sont importantes. Il y a donc trois questions de sécurité. Par exemple, ici, la question, on choisit quelle question. Ici, la réponse à la question. Vous voulez choisir ce que vous voulez. Ici, la deuxième question.
Et c'est la troisième question. On choisit la troisième réponse. On est bien. J'ai cliqué sur continue ici. Informations ou renseignements personnels, par exemple votre adresse. Vous m'écrivez quelques adresses vous voulez. Ici le code postal, tout ça vous le trouvez sur Google, recherchez sur Google. Un indicatif, un élément téléphone, l'indicatif du pays Canada 6590. Maintenant, il nous demande la validation de votre compte, valider votre identifiant par appel. Ici, ils sont envoyés un courrier électronique contenant notre code de validation sur la boîte email. Pour remplir, si vous rentrez le code ici, on vient sur la boîte réception. On écrit, on met trouver le code ici, la validation de l'adresse que vous avez sur votre compte Apple. On entre ici. Et voilà le code. On copie ce code. Bien sûr. Retour à l'échange. Et coller le code ici. Voilà. Et puis, on clique sur valider ici. Finalement, la création de l'identifiant Apple est terminée. Vous pouvez maintenant utiliser la courrière, cette courrière pour accélérer au service Apple. On a réussi de créer l'identifiant en cliquant sur continue. Et voilà, maintenant le compte a été déjà créé. On vient d'essayer.
fait dans un iPhone.